Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue à la Playroom pour ce nouvel épisode de Prey. Donc je vais reprendre Prey un peu plus tôt, c'est-à-dire que je vais reprendre Prey avec 2h30 de jeu en moins puisqu'il n'y a aucune console commande dans le jeu qui permette de rattraper le bug, littéralement le bug du jeu. Par conséquent, je vais reprendre ici, ce qui est une véritable catastrophe. Donc on se retrouvera d'ici quelques heures pour moi, le temps que je rattrape tout ça pour la suite de l'aventure. Ah, oui, chers amis, alors j'ai essayé. Je suis revenu parler à Jeanne-Marie. Là, c'est complètement buggé. Donc je ne sais pas trop quoi faire. Je vais continuer un petit peu, voir si je peux faire autre chose, mais je ne sais pas. Là pour le coup, je ne sais pas. A tout de suite. Re, chers amis, alors je sais pas si ça va être fonctionnel ou pas. On va bien voir, j'ai pas pris assez d'hypopsie, merde. Bon, c'est pas grave. On va bien voir, donc j'ai avancé un petit peu, j'ai dû faire quelques quêtes au passage à mon avis, sans le faire trop exprès. On y va. Crac. C'est parti mon kiki. Hop, on va voir si c'est bien ça qu'il faut faire, j'en doute. J'ai l'impression que le jeu est toujours buggé. On verra. Si le jeu reste buggé, forcément, je vais pas reprendre l'aventure dès le départ au bout de d'autant d'heures. On doit être à plus de 8 heures de jeu. Vous, je vous vois. Un autre pantin qui me cherche avec des yeux noirs derrière les yeux. Approchez. Et encore un peu. Je voudrais éviter d'avoir à les tuer. Quoi ? Vous aussi ? Vous voulez entrer dans la cuisine ? What ? Venez. Oh ! Elle vient de se suicider sur ma tronche. Vous continuez à en envoyer encore et encore. Et jusqu'à quand ? Stop ! Je peux pas penser avec tous ces pantins bombes. D'accord, ils sont sur le point de se suicider en fait ceux-là. Ouh. Elle est assez énervée, je voudrais ne pas les tuer. Attendez. Neuromode, j'en ai plus. Exact. Comment je les libère déjà? Télépathie peut-être. Contrôle des machines. Contrôle mental. Libère également. Ah la vache, ça me coûte cher, ça me coûte 5. 5 neurones. C'est un fantôme? Putain, je le trouvais vachement balèze. D'accord, ok. Ok. Premier tour pour Morgane. Mec, il paraît que tu vas dans la suite des directions. Le code 3654. Ok. Suite de la direction 3654. Oui, c'est le... D'accord, ok. C'était le... Il y avait un bloc-note ici. Dans ma tête. Je n'arrête pas de parler de vous. Il va quand même pas venir me voir. J'aimerais éviter de tuer des humains en fait. Quoi ? Inquiets, ils sont inquiets. Vous êtes pas comme les autres humains. Inquiets, ils sont inquiets. Donc ces choses ressentent. Ouh, c'est intéressant. J'aimerais trouver le télépathe. J'aimerais vraiment trouver le télépathe. Mmh.
J'ai l'impression que je télépathe est pas loin. Merde. J'ai l'impression que le télépathe est pas loin. Faudrait que je répare ma... Hop, voilà, ici, j'ai pas utilisé. J'ai l'impression que le télépathe est pas loin du tout. Ce qui m'a le plus dans l'histoire, c'est que je trouve pas du tout d'hypopsie. Pardon, pas d'hypopsie de... Jusque là. Merde. Et j'ai pas de neuromode. Oh, il est pas loin. Il est... Putain, il y a un mimique. Donc l'autre m'a senti apparemment. Vous avez vu le demi-tour qu'il a fait? J'aimerais pouvoir fermer la porte. Pour être tranquille. L'alimentation de la tulipe jaune. C'est parti, on active. Est-ce que c'était la bonne idée? Un petit peu. D'autres spécimens sont venus. Qu'est-ce que... Ah, je croyais l'avoir eu. La vache, je croyais l'avoir eu. Putain, le mimique, le télépathe est juste à côté, quoi. Je sais pas où il est, mais il est juste à côté. Alors, est-ce qu'il y aurait pas la carte de la porte? Genre juste derrière. Merci. Fourniture. Ce serait tellement bon s'il était là. What the... Ok madame, bonjour madame. J'ai l'impression madame que vous avez un petit peu abusé de certaines choses. D'accord. Avec d'autres bruits encore plus étranges. La flingue. Ça je prends. La note. Les modules d'évacuation n'ont pas fonctionné, je pense que c'était intentionnel. Les formes noires ont envahi la station, tous les gens qu'on connaissait sont morts ou pire. On peut finir comme ça nous aussi, à nos familles, on vous aime. Ah d'accord, oui, ils étaient deux. Ok. Et elles se sont donc suicidées, je pense. Ça expliquerait beaucoup de choses. Il y a un télépathe là-bas. Non, c'est un nid cristoïde. Donc le télépathe doit être en bas. Ce qui ne m'aide pas. Crac. Combien de corps vous avez, hein? Ah. C'est obligatoire. Et le simple fait que je l'entends pas me fait penser qu'il est même encore plus haut. Et si c'est le cas, ça m'emmerde bien. On va regarder sur la map vite fait, je sais pas si on a... Non, on en a pas de cette zone. Donc il y a bel et bien un niveau 3. Il y a un niveau 3, on sait qu'il y a... À ce niveau 3...
Ah, j'aimerais tellement ne pas avoir à les buter. Je veux pas faire ça. Cabine de Daniel. On y va. Excusez-moi, ça me chatouille un peu l'œil. C'est bon signe que ce soit déjà ouvert. Oh non. T'excites pas. Plan de fabrication de médicaments en tirade. Je crois que je les avais déjà trouvés. Et on dirait que tu as encore pas eu ton transcribe. Je veux juste te dire qu'il restait encore des affaires à toi dans ma cabine. Si jamais tu veux les récupérer, Abby. Wow, bonjour monsieur. Putain, je suis con, je reste appuyé en me disant que ça va retirer la deuxième fois automatiquement comme dans Overwatch. Voilà. Ouh, un euromode. Ça, ça fait du bien au point où on en est, parce que franchement... Dossier. Conversation archivée, transférer le dossier. Un rendez-vous. D'accord, cool. Non, ça avait l'air grave, alors je voulais éteindre mon transcribe. Si je comprends bien, tu me demandes si je suis d'accord pour enregistrer. Notre partie. Sur des transcribes. Oui, je sais qu'utiliser la mémoire, c'est pas très réglementaire. Je refuse. Retrouver mon transcribe, aller voir dans le cinéma, récupérer mes affaires dans la cabine d'habits, finaliser la lettre d'excuse, sortir de ma grotte, privilégier les relations sur le boulot. Conversation. Avec moi pour te racheter. Hein? Ça fait beaucoup de 1, alors que tu pourrais juste répondre oui. Oui, tu vois, c'est réglé. T'inquiète pas pour les transcribes. C'est pas. Feuille de personnage, Fatal Fortress. Melinda Ombre Noire. Melindra Ombre Noire. Eh ben. Et donc note. Daniel, tu m'as manqué. Je te laisse la fiche de perso ici, mais j'en ai d'autres au cas où tu voudrais. D'accord. Tu m'invites à ou pas? Qu'est-ce que tu fais? T'enregistres? Les transcribes, comment? C'est marrant. Je crois pas, non. C'est comme du scrapbooking mental. On sauvegarde les moments importants. Belle guitare. J'ai voulu la lâcher avec clic droit comme je le faisais avant. Dans d'autres jeux Bethesda. Et je me suis fait Nikkei comme l'indice japonais. C'est génial, faut que je me concentre. Derrière la porte numéro 1, personne. Numéro 2, personne. Et ça va être celle-là. Étrange. Étrange, étrange. Étrange, étrange, étrange. Il y avait un drôle de bruit il y a 15 secondes. Ouh, un document. Note. Bill, si tu es malade ou blessé, tu es dispensé de sport. Sinon, c'est 75 minutes d'exercice par semaine. Minimum, le code de la salle de sport est 7709, au cas où tu l'aurais oublié. Tac. J'ai le code de la salle de sport. Lorenzo Calvino. Ouh là là. Celui-là vient de notre... Wow. Ah, un poltergeist. Ah oui, j'ai oublié de vous en parler du coup. Alors vous allez voir, c'est la chienlit. Faudrait que je le... Faudrait que je le freeze. Il est là. C'est le troisième que je rencontre. Ils ont pas beaucoup de faiblesses.
Nouvelle attitude. Mais ils font pas des masses de danger, si je puis dire, on va dire ça comme ça. Ouh, c'est bien ce que t'as. Officier Foles. Malia, j'ai une demande importante à vous faire. Une demande qui requiert la plus grande discrétion. Je dois savoir si je peux vous confier une mission de surveillance. Oui, bien entendu, monsieur. Simplement, en temps normal, j'ai besoin de l'autorisation du chef Elazar, des RH ou d'un autre directeur pour ce genre de tâches. Tous ces gens sont mes subordonnés, Malia. Bien, monsieur, je comprends. Je veux que vous gardiez un œil sur Annalise Gallegos. Où elle se rend, ses horaires de travail, ses visiteurs. Je consignerai tout sur le terminal de la sécurité. C'est chelou. Bien. Envoyez-moi un rapport d'ici la fin de la semaine. Bien, monsieur. Si jamais je suis pas là, le code de la porte, donc ton code est arrivé au bureau principal, 5975. Je ne dirai rien de plus à ce sujet, c'est ça qu'il a dit. Bonjour. Y'a rien ici. Ok, cool. Oui, j'ai moult transcribe, je suis au courant. Oula, il s'est passé une couille là-dedans. Une note supplémentaire, salut maman! Je fais des cauchemars depuis que tu es parti. Le docteur Personne dit que je devrais les dessiner à faire partie. J'espère que tu aimes mon dessin et que tu reviendras vite. Docteur Carré, le dessin c'est. Le dessin c'est. Putain. Oui, le dessin, bah c'est pas vraiment un cauchemar que tu faisais. Tu voyais juste un. Une saloperie de. Mémoire de Granger. D'accord. Liqueur de grenade. Oh, c'est quoi ça? Vodka. Oh, voyez donc, il picole celui-là. Feuille de personnage de Rosaline Lestevent. D'accord. Why not? Ça me donne envie de jouer à WoW, tout ça. C'est pas casse-couille. Ok, là-haut c'est fermé. Bon, et c'est un cul-de-sac en plus. Est-ce que c'est un cul-de-sac ou est-ce qu'il y a moyen de passer quelque part? Apparemment, ce serait un cul-de-sac. Allez. Ok. C'est pas mal. Ah, je l'ai. D'accord, donc faut que je revérifie toutes les pièces de côté, parce que je croyais qu'en fait ils allaient s'afficher vert. Sous prétexte que je les avais, mais en fait, non. Vous voyez, par exemple, celle-là, je l'avais. Ouh. Carte d'accès bien. Non, d'accord. Neuromode x3, ça me fait super plaisir. Convertisseur psychotique. Ah, ça m'intéresse, ça. Convertisseur psychotique, c'est votre réserve de pied vide, pouvoir consommer des points de santé à la place mais à plus grande vitesse. Non. Transférer le dossier, j'ai rien lu sur les téléphones. Scan terminé. Cool. Champ de gravité 2. Nouvelle aptitude psy disponible. Ça peut être intéressant pour les dégager de trop près de moi en fait, quand ils sont trop près de moi. Donc, neuromode. Je peux déjà en mettre 3 ici. Il m'en faudrait un de plus derrière pour libérer. Libéré, délivré, je voudrais bien vous faire sortir de votre état de transe. Libéré. Oula. Belle chaussure. Belle hauteur sous plafond. Belle pizza. Charge recyclante, oui, pourquoi pas. Radiation 19-4. Voyons voir, radiation 19-4. Résister aux radiations, carrément, hein, c'est... Alors ça doit être... Ah bah d'accord, j'ai deux fois la même, ok, je suis trop con. Email, bonjour. D'accord, mon nouveau synthécube. Ok. Le mec il avait un tableau périodique des éléments juste à côté de son lit, le mec il ramène pas le boulot à la maison, pas du tout. Par contre il avait pas, j'aurais bien aimé qu'il en ait pourtant, ne serait-ce qu'un seul...
Je prends votre banane, madame. Je sais pas pourquoi vous avez une banane, mais je vous la prends. Je croyais qu'il allait me l'ouvrir quand même, j'ai eu un doute. Non et non. Ok, c'est bon, on a fait le tour. De ce côté-là, en tout cas. Ah non, je crois que c'était un autre panneau. Je me dis, merde, c'est quoi ce panneau? Ok, ici. Il y a un coffre. Alors ça, c'est intéressant. Des balles de 9 mm, bien sûr. Et pas qu'un peu, hein. Ok. Faut retrouver le mot de passe encore. Ok. Ah, attendez. Tome 2. Excusez-moi. Ah, regardez, regardez, c'est facile. C'est facile. Alors que Mordrak surlant explosait au sol devant elle, les serveurs comprenaient qu'elle en avait mal aux mains. Trevor poussa l'angle situé juste derrière elle, le pistolet électrique encore fumant, criant au loin. Merci Gromla. Je ne comprends pas Trevor, pourquoi m'avez-vous fait sortir de cette prison? Je vous ai essayé de vous tuer au moins 7 fois, donc il y a le mot, il y a 7 déjà là. Vous êtes le seul à avoir failli me tuer alors, entre deux explosions, donc 7, 2, 1. Alors je dirais 7, 2, 1, 1, on va bien voir. Ah! Pourtant c'est là-dedans, hein. C'est clairement là-dedans. Cette fois. Alors c'est que. C'est que les chiffres bien notés. Parce que cette fois, déjà il y a 7. Vous êtes la seule à avoir failli me tuer. Deux, donc il y a deux explosions, donc 7, 2. 1. Il y a 7, 2, 1, c'est certain. Parce que 1 est écrit normalement, mais 1 c'est le même chiffre. 2, 7, 2, 1. Ah, pourtant c'est là-dedans, c'est dommage. Apparemment j'arrive pas à le décrypter. Comment il s'appelle? Je serais presque tenté d'aller sur internet. Mais bon. Ça doit être très simple hein, finalement, mais... Mais je ne l'ai pas. Ok. Onde 0, il aime pas le petit côté. Je l'ai eu. Ouh, je l'ai eu. Mais j'en ai pas à l'avoir aussi facilement. Honnêtement. Cool. Enfin, aussi facilement. J'ai quand même pris moult dégâts. Faut pas le cacher non plus. Ah, je pourrais la verrouiller celle-là. Oula. En fait, c'est pas dit que j'ai des masses envie d'entrer dans celle-ci. Je prends les deux boîtes de pétri. Pour suppression d'hypopsie. Oui, d'accord. Ok, cool. Deux emails. Ok. Ok. Si tu le dis. Je vais prendre un leurre à Typhoon. Mélange végétarien, pourquoi pas. Oula, le mec il fait carrément ça sur son... Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas. Hein. Après tout, il fait ce qu'il veut, hein. C'est sa vie.
semble pas avoir trouvé quoi que ce soit d'extrêmement intéressant ici. Par contre, là-dedans, j'aimerais bien rentrer. Ce qui veut dire qu'il va me falloir un hypopsy. Que je vais tenter de passer avec ça. Ici. Ensuite, je fais ça. Oula. Oui, d'accord, c'est parce que maintenant je peux le... Ok, c'est particulier comme menu, mais pourquoi pas? Pourquoi pas, hein? Cause du nouveau pouvoir, semble-t-il. Oh là, faut pas que je la ramène. Si, moi aussi je peux l'emmener avec moi. Y'a pas de souci. Hop, voilà. J'ai réussi à passer, en espérant que ce soit intéressant. Ça. Et alors, il doit te faire. Hypopsie, hypopsie, échantillon de tube à essai. L'horizon neural 2. Je m'attendais à mieux. Je m'attendais à mieux. Question, j'ai jamais essayé. Non, je voulais juste voir si ça fonctionnait ou pas. Si on sait jamais. Sur un malentendu. On peut s'arranger. Ok, il y a besoin d'un mot de passe. De mieux en mieux. Vous voulez pas me filer juste une... Oh. Oh putain. J'irai... Transformation. Non, on va aller se mettre le neuromode, chers amis, déjà de base, hein. Optimiseur de transformation. Réduit le Quintial en point psy des pouvoirs de transformation. D'accord, ok. Bon, alors, ça c'est une très très bonne nouvelle. On peut enfin libérer. Les autres. Ah, deux, c'est bon, je peux le faire. Où est-ce que je suis? Là. X. Ah, oh, merde, je perds du temps. Je suis passé, c'est tout ce qui compte. Ok, il y a un dossier. Plein de fabrications d'hypopsie. Mais je viens de l'avoir. Oh. Parfois, je me dis que peut-être que ça va ramener quelque chose si je les ai tous ou un truc comme ça. Entretien avec Gustave. Gustave. L'horizon neural 1. Mais dis donc, je l'aurais chopé en entier dans toute cette région-là en fait. C'est pas mal, cela dit. Ça m'aidera pas. Ou alors ça m'aidera, on sait pas, sait-on jamais. Bon. Alors, il y a des... Il y a un poltergeist. Je l'avais dit. Il est violent. Habituellement, il me gèle pas d'objets comme ça. Mais du coup, alors attendez, réflexionnons. Il est là, hein. Ça c'est le mimique. Sale bête, hein. C'était gros comme un camion. C'était génial par contre. Mais c'était gros comme un camion. Mais c'était génial. Je pourrais boire la bière, mais ça me fait chier de la boire. Réflexe à la mort malneux, tirer la chasse. Ok, bon, on est bon. Ouais, on est quand même dans la merde en termes de santé.
On va cesser là pour cet épisode, les amis. En tout cas, moi, je vous retrouve dans le prochain pour la suite de l'aventure de Prey. Apparemment, ça fonctionne, le jeu continue. Salut!